Bonjour tout le monde. Reprise des conférences du forum PHP avec un speaker confiné à Londres. Samuel travaille chez Birdie, une start-up londonienne spécialisée dans la santé. Il est spécialisé en PHP, il est aussi membre des core teams Symfony et API Platform. Cet après-midi, il va nous parler de BDD, BIAT et de quelques autres outils connectés ensemble qui nous permettent d'avoir une documentation vivante de nos applications. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Samuel Rosé. Samuel, si tu peux me rejoindre. Salut à tous. Super. Je vais partager mon écran. Je pense que ce sera le plus simple. J'espère que vous avez eu un déjeuner fantastique et que vous n'êtes pas trop en train de dormir sur votre siège. On va aller super vite. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet de living documentation. La première chose, c'est un petit peu un disclaimer, à savoir, d'habitude, tous mes talks sont vraiment très orientés techniques. Celui-là, et en fait, même s'il s'adresse à un public technique, il y a beaucoup, la majorité n'est pas technique en réalité. C'est vraiment à propos de la documentation, comment est-ce qu'on va, quels sont les process, quelles sont les vraies contraintes avec lesquelles on va jouer. Et ce que j'ai envie de faire, c'est au moins de vous donner quelques idées de qu'est-ce qu'une mauvaise documentation, qu'est-ce qu'une bonne documentation, et surtout des choses que vous pouvez prendre vous-même et appliquer dans vos projets quelconques de tous les jours. La majorité, tous les exemples, en fait, viennent vraiment de mon expérience, des choses que j'ai faites. Mais il y a une inspiration fantastique qui est ce livre de Cyril Martraire qui s'appelle Living Documentation. Je vous le recommande beaucoup. Toute la partie théorique que je vais présenter au début, ou une grande partie de la partie théorique, vient un petit peu de ce truc-là. Donc voilà, je vous recommande vraiment, vraiment ce livre-là. Je vais vous le recommander à la fin si jamais ça vous intéresse. De quelle documentation est-ce qu'on parle en fait? Il y a deux types de documentation. La documentation interne, où vraiment les clients de cette documentation, ceux pour qui vous écrivez ça, écrivez ou dessinez, peu importe, sont en fait l'équipe qui travaille sur ce projet. L'idée, c'est d'expliquer quels sont les concepts que vous utilisez, quelles sont les décisions que vous avez prises jusque-là, quelle est l'architecture, comment est-ce que le produit fonctionne, mais pas vraiment comment l'utiliser. Et bien sûr, la deuxième partie qui est en fait l'audience, donc la documentation externe, où l'audience est vraiment l'utilisateur final. Et c'est vraiment un petit peu comment utiliser, c'est vraiment à propos de comment est-ce qu'on utilise le produit, et un petit peu quand même de comment est-ce qu'il fonctionne. On va vraiment se focaliser sur la documentation interne. Donc en fait, pourquoi est-ce que c'est utile? La raison principale, c'est que ça nous permet de réduire le temps qu'on perd. Et on en perd beaucoup, ça dépend du projet, etc. Mais vraiment, c'est l'idée principale, la vraie valeur ajoutée d'une documentation, c'est ce temps perdu. Par des ingénieurs, ou des développeurs, ou par d'autres gens, en fait. Et il y a trois aspects principaux. En fait, le premier, c'est ça va nous permettre de réduire la tech debt, en fait. Et là, c'est vraiment la documentation très technique. En fait, la majorité du temps, la tech debt vient, mine de rien, du fait que les développeurs, ou certains développeurs, ou tous, n'ont pas assez de contexte, soit pas assez de contexte dans l'application ou le microservice qu'ils sont en train de développer, ou du contexte de l'architecture générale, ou en fait du contexte des clients, comment est-ce que les clients l'utilisent, de l'industrie, quelles sont les choses importantes dans l'industrie. Donc je vais vous pointer à plein de références pendant ce talk-là. La première référence, il y aura tous les liens à la fin dans notre slide deck. C'est un papier de recherche et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que le fait d'avoir une documentation inexistante ou en fait qui n'est plus du tout à jour, c'est le facteur le plus important dans le coût de maintenance d'un produit. Et donc, en fait, on peut vraiment réduire, en ayant une documentation, on peut réduire cette technical debt en faisant en sorte qu'on ait beaucoup moins de besoin de maintenance en réalité. La deuxième raison, aussi très technique, enfin, qui est vraiment, vraiment liée à une équipe de développement, c'est quand on a de nouveaux ingénieurs qui arrivent en place. En fait, quand on a une entreprise qui grossit, qui fonctionne bien, on a parfois plusieurs ingénieurs ou plusieurs développeurs qui arrivent toutes les semaines ou tous les jours. Et en fait, il faut vraiment augmenter, enfin, faut les mettre au courant de ce qui s'est passé. Et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Avoir une documentation très claire qui leur permette d'être onboardés en une semaine, 2 semaines, et d'avoir une idée concrète de comment est-ce que toute la pièce sur laquelle ils travaillent fonctionne dans le reste de l'écosystème de l'entreprise, des clients, est super, super importante parce que ça nous permet de ne pas attendre un mois avant de
de vouloir avoir des vraies pull requests, etc., qui sont intéressantes sur des vraies grosses fonctionnalités. Et surtout, ça permet de faire en sorte que tout le temps, entre guillemets, perdu, la communication entre personnes n'est jamais perdue, mais entre guillemets perdu, entre toutes les code reviews qui vont être faites sur des choses en fait tout bêtes parce que la personne n'a pas le contexte, tout ce temps-là va être totalement enlevé, quoi. Et deuxième papier de recherche là-dessus, la version courte, c'est que l'on est extrêmement mauvais de manière générale. Alors, a priori, donc, dans leur recherche, c'est que ça s'améliore un petit peu, mais on est très mauvais à donner du contexte de pourquoi est-ce qu'on est là. Et qu'est-ce qui s'est passé juste là? Qu'est-ce qui est autour de ce bout de code? Bout de code étant une partie du produit, quand les gens arrivent dans un projet. Et que c'est un coût énorme en termes de rétention, en termes de temps perdu par l'équipe. Et le troisième, qui est super intéressant, le troisième vraiment aspect pour moi, en tout cas, dans lequel la documentation aide, c'est les conversations. Donc, deux choses dans ces conversations. La première chose, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par compte? C'est toutes ces incompréhensions subtiles de langage qui nous coûtent énormément d'incompréhension et donc du coup d'alignement pas du tout égal et donc en fait de recréer du travail après, quoi, si ça fait du sens. L'idée d'une documentation, c'est que ça va nous permettre, petit à petit en itérant là-dessus, ça va nous permettre d'avoir un langage commun. Dans Didi, d'autres trucs, ça s'appelle le ubiquitous language, mais l'idée c'est que tout le monde utilise les mêmes mots et sait exactement quel mot veut dire quoi. Donc c'est la première partie. Donc quand c'est un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça veut dire compte, est-ce que c'est le compte bancaire, est-ce que c'est le compte utilisateur, ça c'est perdre du temps pour tout le monde en fait. Et la documentation aide là-dessus parce qu'elle nous permet soit uniquement en interne de l'équipe d'utiliser au moins les mêmes mots, puisqu'on est obligé d'écrire un contexte en utilisant ça, et que nos clients, internes ou externes, vont utiliser les mêmes mots parce qu'ils ont vu ça dans la documentation, puisqu'ils ont compris. Et au moins, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et la deuxième partie, c'est vraiment réduire les conversations inutiles, en fait, parce que l'information est vraiment est accessible. Donc, ça va être inutile entre ingénieurs. Hein, tiens, comment est-ce que j'envoie des notifications déjà, des emails? Ah bah oui, mais il y a ce module-là qui fait ça, ou pour les SMS, c'est pareil. Ou bien, entre produits et ingénieurs, entre sales, enfin commerciaux et produits, tout un tas de choses comme ça. Est-ce que ce champ-là, il est synchronisé quand on a la synchronisation avec Intercom? Est-ce que c'est synchronisé? Est-ce que, voilà, tout un tas de trucs comme ça qui, en fait, nous font perdre énormément de temps. La documentation va nous aider beaucoup. Et ça s'applique surtout quand un projet grandit en temps. Donc les premiers mois, en général, on ne voit pas ce problème-là. Mais après un an, on perd de manière totalement ponctuelle beaucoup de temps. Et là, c'est un petit rappel. Vous avez probablement déjà vu ce diagramme ou ce dessin ou un équivalent de ce dessin. Ça s'appelle grosso modo le coût de traduction entre personnes. Donc, vous voyez, chaque dessin, c'est comment le problème que le client avait expliqué. Ensuite, c'est comment est-ce que le product manager l'a compris. Ensuite, comment est-ce que le BA il a créé des scénarios, n'importe quoi, comment le programmeur l'a écrit, en fait, ce que le client vraiment avait besoin. Quoi. Et en fait, ce coût de traduction peut être énorme. Et en fait, avoir une documentation, avoir cette capacité de parler les mêmes mots et d'être clair sur ce qui se passe dans notre produit est super important. Donc voilà, ça a l'air génial, hein, la documentation. Donc en fait, c'est quoi le problème? En fait, il y a quelques problèmes principaux, trois problèmes principaux dans les documentations, entre guillemets, pas actuelles, mais entre guillemets, traditionnelles. C'est que ce qu'on documente est très, 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 très peu clair. Parce qu'en général, quand on va lire une documentation, on va avoir soit pas assez d'informations, soit beaucoup trop. Et c'est souvent beaucoup trop, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être été payé pour écrire ce fichier de documentation, et en fait, ça ne nous intéresse pas trop d'avoir tout ce résumé de... toutes ces différents concepts et toutes ces choses. Alors, nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui se passe quand l'utilisateur est enregistré, en fait. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu un sondage, il n'y a pas très longtemps, plein de développeurs, et la question était, quelle est votre meilleure documentation dans le domaine de l'informatique ou du développement, et la réponse principale était Stack Overflow, alors que ce n'est pas du tout une documentation. Mais en fait, ça montre de manière très intéressante qu'il y a plusieurs types de documentation aussi. Et c'est que Stack Overflow, pour nous, c'est fantastique, moi je l'utilise probablement 12 fois par jour, une fois par heure,
Et l'idée, c'est que bah, comme c'est, on est capable de poser une question concrète, on a uniquement accès à ça et pas tout le reste, c'est vraiment très utile. Deuxième problème que vous avez sûrement tous vu, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui n'est pas à jour. Une documentation pas à jour. Et ça permet, si une documentation n'est pas à jour et que les personnes qui lisent se rendent compte, la confiance dans la documentation est totalement dégradée. Et donc, du coup, la documentation devient en fait totalement inutile parce qu'en fait, elle va demander au product manager ou au développeur plutôt que de lire ce truc. Et donc, tous les efforts mis sont inutiles après quelques mois puisque la documentation qui a été créée n'est plus à jour. Et puis surtout, c'est vrai qu'on a cette expression, hein, RTFM, Read the Fucking Manual, et la raison pour laquelle ça commence probablement par ces trois lettres, c'est qu'en vrai, il y a plein de documentation, qu'est-ce que c'est chiant de lire, hein, effectivement. Et y a moyen de faire autrement. Et il y a quelques exemples que je vais vous montrer qui sont vraiment... Bah, qui sont autres. Donc la Living Documentation. Dans ce livre-là, il y a quatre principes. Mais très rapidement, après, on va passer à des exemples concrets. Mais quatre principes, c'est que la Living Documentation doit être reliable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, elle est toujours à jour. Période. Low effort, à savoir, pour la lire, ça doit être extrêmement simple. Et encore plus important, pour la maintenir, ça doit être extrêmement, extrêmement simple. Vraiment pas d'effort, quasiment pas d'effort. Collaborative. L'idée ici, c'est qu'en fait, les communications entre personnes, la communication entre commerciaux, ingénieurs, produits, ingénieurs, en fait, elle est super importante pour des choses qui sont nouvelles, où on n'a pas clarifié quelque chose, des choses nouvelles. C'est super bien. Vous avez laissé la même conversation deux fois, trois fois, trois fois, vous dites stop, et vous passez à la deuxième partie qui est on sédimente, à savoir, on va, là, du coup, ça vaut le coup, ça fait trois fois que je répète la même chose, je vais l'écrire quelque part. Alors, ça peut être des slides comme ça, ou ça peut être aussi voilà, un document, ça peut être un graphe, peu importe. Mais l'idée, c'est ça. Ne documentez pas des trucs qui sont, en fait, que quelqu'un va vous demander une seule fois. Et l'idée, c'est que la collaboration, ce n'est pas une personne qui va l'écrire dans son coin, mais c'est vraiment tout le monde, enfin la documentation, pardon, tout le monde y contribue et tout le monde est capable de l'améliorer. Et tout le monde doit l'améliorer. Et insightful, c'est un petit peu ce que je disais avant, mais c'est que, bon, bah, le fait qu'il faut cliquer dans la barre de recherche pour faire une recherche, on s'en fout, en vrai. Ce qui est vraiment intéressant, c'est, OK, quelles sont les décisions vraiment explicites qu'on a faites dans ce produit-là? En fait, on ne supporte pas ça et ça, on le sait, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien, quelles sont les choses où on sait qu'ils ne sont pas très bien, ou les vrais avantages. Là, ça fonctionne très très bien dans ce cas-là. Là, on sait que bon, ça ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas grave parce qu'on a fait cette décision explicite. Ou les choses qui ne sont pas connues. Voilà, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas capturées dans les documentations classiques. Où là, l'idée, c'est de dire, mettons des choses qui en fait, vont vraiment être utiles à celui qui lit cette documentation. Et alors, pour répondre à ce premier problème, qu'est-ce qu'on doit documenter? En fait, il y a ce concept de deux types d'informations ou de knowledge. Il y a le knowledge générique, par exemple, comment est-ce qu'une application Symfony fonctionne, comment faire une requête SQL, qu'est-ce que Kafka, comment on utilise GitHub, etc. Et puis, il y a le knowledge spécifique à propos de votre architecture, pardon, les décisions, les détails de votre industrie, qui sont les principaux personnes qui peuvent, dans l'entreprise, qui peuvent vous aider d'un point de vue produit, tout un tas ce genre de choses. Ça, c'est le knowledge spécifique. La version courte, c'est que vous ne vous focalisez uniquement sur la documentation de knowledge spécifique. Tout ce qui est generic knowledge, y compris tout ce qu'on voit beaucoup hein, dans les README, à savoir, tiens, voilà comment est-ce qu'on démarre l'application Symfony, ou est-ce que voilà, est-ce que comment on démarre Docker Compose, machin. L'idée, c'est que tout ça, en fait, on s'en fout. C'est une application Docker Compose, un lien vers une autre documentation que quelqu'un a écrit, maintient, où il y aura tout un tas de troubleshooting sur Docker, ça vous suffit. Ne refaites pas ça. C'est un exemple, mais c'est ça l'idée. Et puis tout ce qui est, par exemple, je sais pas, je vais lancer des migrations, je vais lancer des fixtures et tout, bah faites en sorte, essayez aussi de ne pas avoir besoin de documentation. C'est ça l'idée aussi du Living Documentation, c'est qu'il y en a beaucoup qui va être directement soit intégré dans votre produit, et votre produit peut être votre tech. Donc en fait, quand vous démarrez votre application, et bah, peut-être que votre app elle va vous dire, ah, bah, je vois qu'il n'y a pas de fixtures, clique ici ou on va appuyer entrer pour les mettre. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin de forcer quelqu'un à lire un README pour savoir quelle commande lancer. C'est ça l'idée. Voilà ce que vous devriez documenter. Et comment est-ce qu'on ensure freshness, à savoir que ce soit reliable? Et bien là, le concept qui est vachement intéressant, mais là, je pense que c'est l'essence de tout stock d'ailleurs. C'est juste, le concept, c'est que le knowledge already exists, à savoir, vous avez quelque chose qui s'appelle le authoritative source of truth.
Voilà, source of knowledge. L'idée, c'est qu'il faut que vous identifiez pour n'importe quoi. Donc, ça peut être par exemple quels sont les concepts que vous avez dans votre produit, les différents un utilisateur, un compte, un machin. Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur est enregistré? Il faut que vous essayiez d'identifier la authoritative source. Typiquement, dans la majorité des cas, en fait, ça va quand même être votre code source. Bah oui, parce qu'en fait, vous avez déjà toutes les classes et toutes vos entités. C'est là, vous avez votre concept, quoi. C'est ici. Ou bien ce qui se passe dans, je prends l'exemple technique, mais ce qui se passe dans, après que l'utilisateur soit enregistré, ben en fait, vous avez hypothétiquement tous vos listeners en fait, dans Symfony. Si vous utilisez Symfony, mais ça marche la même chose avec plein d'autres applications. Je dis ça parce que je suis un peu biaisé par Symfony, mais si vous pouvez utiliser le Bean Console Debug Event Dispatcher, et pas, vous avez tous les événements, quels sont les listeners, et vous pouvez identifier votre événement de quelqu'un qui s'est écrit. Bref, ça, c'est l'authoritative source. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas toujours votre code. Ça peut aussi être votre base de données, ou une liste de catégories de je ne sais pas quoi. Ça peut être une base de données. Ça peut être un document, en fait, qui est maintenu et curé, enfin, qui est maintenu et géré par des gens produits, ou je ne sais pas si vous avez des gens qui vont gérer en fait, des paramètres d'un modèle de machine learning, bah, ça va être ailleurs. L'idée, c'est que vous identifiez cette source. Et il n'y en a qu'une seule. Et le contrat qu'on a, on ne duplique rien. C'est ça, c'est notre contrat principal. Juste ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on fait un process automatisé, si possible, qui extrait, transforme et augmente la authoritative source of knowledge. Typiquement, si vous voulez documenter qu'est-ce qui se passe après qu'un utilisateur s'enregistre, et ben vous allez faire une combinaison de je vais exporter le debug dispatcher, je vais identifier ce qui se passe tous les listeners de cet événement-là, et je vais probablement donc extraire ça, mettre ça en HTML, et probablement augmenter, soit via les commentaires qui sont sur chaque listener, soit par en fait un fichier Markdown manuel qui a été manuellement ajouté un tout petit peu de contexte, des intégrations extérieures, etc., etc. Et donc vous faites ce process automatisé. C'est un petit investissement au début, sauf que du coup vous êtes garanti que tout ça c'est reliable. Et le seul caveat, c'est que des fois, on ne peut vraiment pas automatiser, on verra ça un tout petit peu plus tard, et il y a cette idée de reconciliation mechanisms. Donc au moins, si vous dupliquez, vous avez un truc au milieu qui valide que les deux duplications soient toujours à jour. Alors, c'était la partie théorique, un petit peu de qu'est-ce qu'est l'idée, quels sont les concepts. Maintenant, on va passer sur les exemples. Je vais rapide parce que 11 exemples, en fait, mine de rien, c'est beaucoup. Et on va passer de très technique à moins technique, de très orienté documentation pour développeurs à plus, à un petit peu tout le monde dans une entreprise. Et aussi, les exemples sont dans un ordre qui fait que si vous voulez l'implémenter un petit peu, implémenter ces principes et ces choses dans vos projets, je vous recommande d'utiliser l'ordre dans lequel je présente ces exemples-là. Ce n'est pas forcément obligé du tout, mais c'est une bonne idée. Donc le premier, c'est que ben, vous connaissez ça tous, hein, les histoires de commit. Commit, ben, c'est juste quelques changements de code et puis c'est super simple en fait. Enfin, c'est juste un titre et une description. C'est tout. Et en fait, on peut faire des choses de fou. Parce que rien que ça, c'est une documentation géniale. Par exemple, ça c'est un bout de code dans Symfony, un bout de code dans votre code, quoi, en fait. Et vous pouvez faire cette chose qui s'appelle git blame ou annotate pour que ce soit un petit peu moins agressif. Et vous pouvez, en fait, ben, du coup, être ça, essayer de voir tout simplement. Tiens, ok, je sais qui est-ce qui a changé cette ligne et je sais pourquoi. Je sais pourquoi quand le titre des commits sont au fond du sens, quand ils décrivent le pourquoi. Petite parenthèse, très bonne documentation, c'est des bons messages commits, donc fixe ou code review, ou je sais pas quoi, ça faut oublier. Et les messages de commit qui décrivent qu'est-ce qui a été fait, tiens, j'ai ajouté un test, j'ai ajouté une variable, en fait, on s'en fout un peu aussi, parce qu'on le voit dans le code. Par contre, ce qui décrit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose? C'est ça qui est vraiment intéressant. Et là, on a déjà un truc fou, quoi. On a déjà un contexte quand on est dans le principe de la maintenance. Là, on voit déjà que y a beaucoup de choses qui peuvent. C'est beaucoup plus facile pour nous d'accéder à l'information de pourquoi est-ce que quelque chose a changé. Ce que fait Symfony, mais ce que fait aussi plein d'autres boîtes, on fait ça comme ça à Birdie, mais c'est qu'en fait, quand on merge, bon, déjà, on squash tout. On utilise le titre qui est en fait le titre de la pull request, qui est un petit peu chiant, faut que ça fasse du sens même à des journaux techniques. Et dans la description, en fait, on met toute la description, dans la description du commit, on met toute la pull request en réalité, on met le contenu de la pull request. Et du coup, ça nous permet de, quand on clique sur quand on explore le code et qu'on clique là-dessus, on voit directement, tiens, la version encore plus
bien expliquer de pourquoi est-ce que, quel est le contexte autour de ce changement. Et bon, là, c'est le GitHub, mais ça peut être n'importe quoi. On peut cliquer et puis retourner à la pull request et essayer de voir toutes les discussions. Et c'est vraiment une documentation fantastique. En plus de ça, on est capable aussi, donc il y a un truc qui s'appelle le conventional commits. On est capable de dire, si on se force juste à préfixer le titre, ou le titre des commits par fit, fix ou improvement, on est capable automatiquement de définir si c'est une feature, si c'est un bug fix, ou si c'est quelque chose juste un petit peu un improvement ou un petit peu de CI ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant avec cette information-là, c'est que ça permet deux choses. Ça permet déjà de générer, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui émerge, on est capable de voir est-ce que c'est, quelle est la version qui doit être associée à ça. Donc il y a plus, vous pouvez automatiser la gestion des versions, à savoir que si c'est une feature, en fait on va upgrader la mineure. Si c'est une feature et que c'est marqué breaking change, il y a aussi une façon de le faire, on va upgrader la majeure, etc., etc., etc. Juste en mettant un tout petit peu de structure sur ces commits-là. Et en fait, l'avantage après, c'est que vous avez une documentation qui est en fait relativement, vraiment fantastique, qui est votre changelog. Vous êtes capable de savoir exactement quelle chose. Si le titre du commit est clair pour des gens non techniques, vous savez quel fix est passé, quelle est la nouvelle feature, quand est-ce que ça a été release, quand est-ce que ça a été émergé. Vous pouvez traquer les commits dans les différentes branches, vous avez des branches pour tels environnements, et vous pouvez savoir quelle chose est dans quel environnement de manière totalement automatisée. Et ça, c'est fantastique. Donc voilà, l'idée, c'est qu'avec un petit peu d'hygiène sur les commits, on peut répondre beaucoup de WTF questions, et on peut auto-générer des logs, des change logs, faire le versioning automatique, etc. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, du coup, vous n'avez plus besoin de documenter comment grider des versions, vous n'avez plus besoin de documenter de manière manuelle quels sont les trucs qu'on a release, tout ça, c'est automatisé. Et c'est ça l'idée, c'est que vous prenez les sources of truth et vous faites un tout petit peu de code pour automatiser ce truc-là. Et petite parenthèse sur les commits, on peut avoir beaucoup, beaucoup plus de choses sur les commits. Typiquement, il y a des boîtes, et je l'ai fait avant, et il y a des boîtes qui font ça, mais qui sont, on veut vraiment savoir dans quelle partie de notre application on a la majorité des bugs. Donc on a l'option 1, c'est de regarder dans Jira, avoir quelqu'un qui passe la journée en Jira, regarder tous les bugs, essayer de comprendre, c'est peut-être votre Agile Coach, peu importe. Ou bien on a l'option 2, on met un petit peu d'engineering effort là-dessus, mais en fait on va chercher tous les commits qui commencent par fixe, et on va regarder par chaque fichier changé dans quel module c'est. Et en fait, on n'a pas forcément, parce que ça peut toucher d'autres trucs, mais on a une idée vraiment quasiment aussi précise, si ce n'est plus, que de grosso modo regarder les tickets Jira, de quels sont les endroits dans lesquels on a le plus de bugs. Et ça peut du coup créer des conversations super intéressantes de « oui, il faut vraiment qu'on fasse du refactoring ». Bref, commit, c'est génial, bien utilisé. Code comments sont aussi super intéressants comme une documentation. Je ne parle pas de ceux-là, je ne parle pas de ceux qui disent « tiens, j'appelle une fonction, tiens, je déclare une variable ». Je parle plus de ceux qui ne décrivent pas le code, mais qui décrivent le pourquoi ou comment l'utiliser. Ça, c'est un exemple. Ryan Weaver, qui fait beaucoup de contributions open source et qui fait SymphonyCast, etc., m'a créé ce fichier de cette classe-là. C'est fantastique. En fait, on a ce multiplier retry strategy. Quand on voit ça, on se dit, déjà, on aurait pu trouver un meilleur nom, mais surtout, ça ne peut pas dire grand-chose. Et là, ce qu'il fait, c'est que dans le code, directement, il dit, c'est soit constant or exponential retry delay. Ah, ça fait plus de sens. Et après, il donne deux exemples. Tiens, avec ces deux paramètres que tu peux utiliser, voilà exactement ce que ça fait. C'est génial. C'est beaucoup, beaucoup mieux que d'avoir la théorie de quels sont tous les paramètres, quels sont l'idée de exponential backoff, etc. Voilà l'exemple et voilà ce qui se passe. Génial. Le problème, c'est que c'est un petit peu dur de mesurer le retour sur investissement des bons commentaires. Je parlais de la maintenance. Il y a une study. J'ai encore oublié de mettre le numéro, mais tout ça, c'est dans une référence à la fin des slides. En moyenne, 50% du temps passer sur des questions de maintenance, en fait, sont essayer de comprendre, 50%, essayer de comprendre pourquoi, quelle est la raison d'un changement précédent. Si vous êtes capable de faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair, d'essayer de comprendre pourquoi, avec juste ces bons commentaires au bon endroit, et surtout les commits qui sont bien structurés, vous pouvez hypothétiquement réduire de 50% le temps perdu à faire de la maintenance, corriger des bugs, etc. C'est énorme. Les tests. Les tests, c'est à peu près pareil. Je ne parle pas de la valeur ajoutée sur la maintenance, parce que ça, c'est indéniable et il y a plein d'autres talks pour ça. Mais je parle vraiment en tant que documentation. Là, c'est un exemple de nous, on fait beaucoup de
de JavaScript, etc. On a aussi quelques data scientists qui font du Python. Là, c'était un truc très très obscur où il fallait des ingénieurs qui revoient ça. On en a un qui dit, bah, en fait, j'ai rien pigé parce que c'était super algorithmique et tout. Par contre, les tests, bah, ça fait carrément du sens parce que je peux lire le test et en fait, je comprends vraiment ce qui se passe. Parce que c'est écrit d'une façon qui est un petit peu compréhensible par un humain et c'est pas du substring du machin, de je sais pas quoi. Et c'est vachement bien. En PHP, il y a ce truc-là qui est bah, un PHP spec, qui probablement certains d'entre vous utilisent, c'est ça l'idée quand même. C'est l'idée, ça force déjà des fonctions qui commencent de test, qui commencent par hit underscore. Donc ça nous force de hit the something. L'idée, c'est d'écrire vraiment le behavior le comportement d'un objet. Et ça crée des documentations fantastiques. Donc ça, c'est intéressant comme test vraiment très très unitaire. Et après, forcément, faut que je parle de BDD Scenarios, qui est en fait probablement la meilleure façon de faire des tests de mon point de vue, sauf certains cas particuliers des tests unitaires et tout. BDD Scenario, la parenthèse BDD, c'est pas du tout un talk de BDD. Je me suis vraiment dit, est-ce que je focus là-dessus ou en fait, je vous montre plein d'autres exemples de Living Documentation. J'ai pris l'option 2, mais BDD, très rapidement, c'est un process qui. L'idée, c'est que ça encourage la communication. Avec les conversations entre les personnes techniques et non techniques. Cette histoire de free amigos, de quality produit, engineering, etc. Mais l'idée, c'est vraiment communication, collaboration entre les personnes techniques et non techniques. Et surtout, ensuite, comment il structure un petit peu ce process, structure comment est-ce que les discussions se passent? Elles se passent avec des exemples concrets. Pour que tout le monde, avec ces exemples concrets, soit sur la même page, grosso modo. Donc ça, c'est le process. Il y a un outil dans BDD, qui sont les BDD scénarios. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va en fait sérialiser les conversations dans un format écrit, via des exemples, donc des scénarios qui décrivent des exemples concrets, dans un format qui est lisible par une machine et surtout par un humain. Et ce qui va nous permettre de faire, c'est que du coup, ces scénarios deviennent des tests. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine va être capable de lire chaque scénario et chaque, ce qui s'appelle step, donc chaque ligne. Given when then, je vais vous montrer un exemple après. Chaque ligne est exécutée en tant que test. Donc c'est comme si vous faisiez un PHP unit test quelque chose quelque chose. Chaque ligne va avoir un bout de code derrière qui va en fait tester votre application. Ce qui est super, c'est que c'est lisible par les humains et les machines. Ça, je vous ai parlé au tout début, c'est un exemple très très clair de knowledge reconciliation. Typiquement, vous avez du code qui c'est la source of truth. En fait, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur s'enregistre par exemple? Je prends le même exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Mais vous avez le code qui fait quelque chose, et vous avez ces BDD scénarios. Et en fait, les scénarios, c'est vraiment la conclusion de toutes vos discussions, et c'est en plus vos trucs de test. Par contre, vous pouvez pas vraiment faire une traduction entre les deux. Les deux sont super intéressants. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un reconciliation, et c'est ce principe de lancer les tests. C'est que si ça match, à savoir, bah, tous les tests fonctionnent. Super, all green. Sinon, eh ben, ça fail un test. Mais fail un test, c'est juste une alerte qui fait que bah, ces deux documentations, mon code qui documente pour l'ordinateur et mes scénarios qui documentent pour les humains, ouais, ils sont effectivement alignés entre eux. Ou pas. C'est ça le principe de réconciliation. Et vraiment, ces BDD scénarios, j'insiste, j'ai déjà fait une conférence là-dessus, il y en a plein d'autres qui sont fantastiques, mais. Ils peuvent vraiment transformer la façon dont vous travaillez parce que ces scénarios deviennent un artefact super utile pour savoir exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment, quels sont les exemples. Vous pouvez vraiment, au lieu d'avoir une discussion de une demi-heure sur un tableau, en mettant, tiens, hypothétiquement, voilà les règles, les machins, les trucs, en fait, vous pouvez faire 10 minutes, voilà tous les exemples exacts, concrets qui se passent. Est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? On est d'accord, super, on vient de sauver 20 minutes. Et en plus, on peut partager ces exemples concrets avec le client. Il va nous dire oui, non, il va nous rajouter un nouvel exemple. Fantastique. Un exemple de scénario BDD, c'est ça, en fait. Hein. Bon, bah, c'est un scénario qui a un nom. On peut mettre une petite description, un peu plus de contexte si on a besoin. Et puis, given when then, à chaque fois, quand je vous ai montré. Avec des exemples concrets. Hein. Bon, là, c'est une visite qui a été schedule pour telle personne, etc., etc. Voilà. Je veux que ce soit chargé. Temps pour cette période de billing, c'est sur le truc de billing période, il faut que ce soit chargé sans temps, etc. Vraiment des exemples concrets. Et la réconciliation, c'est, donc ça c'est un fichier, c'est une partie, une fonction d'un fichier BIAT, donc un context file, qui fait que chaque ligne, then, un peu comme ça là, qui en fait a cette structure-là de JSON,
Je note bien un petit swing. Bon, là, c'est pas très métier d'ailleurs. J'ai peut-être pas le meilleur exemple. J'ai pris ça de Codebase API Platform parce qu'on dit ça aussi. Mais parce que c'est, bon, voilà, c'est en fait, c'est probablement vrai parce que le produit ici est vraiment très, très technique. Mais bon, n'utilisez pas des trucs comme ça dans votre produit qui est vraiment très customer facing. Mais voilà, vous, n'importe quoi qui est à ce truc-là, bah, vous avez la valeur de ce qui est dans le code, dans le scénario. Et puis, vous faites vos assert, etc., etc., dans ces fichiers-là. C'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque scénario, en fait, il est dans un feature file, dans un fichier de feature. Et le fichier de feature, en fait, il peut avoir beaucoup plus que juste les scénarios. Il va avoir un background, à savoir voilà le contexte dans lequel on exécute tous ces scénarios. Et surtout, il y aura toute une description. Là, c'est une documentation intéressante de quelles sont les questions, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre. Et une citation super de ce livre, Living Documentation, c'est... en français, c'est que la majorité des équipes commencent à utiliser BDD pour faire de grosso modo des tests end-to-end. Given when then, test end-to-end. Et en fait, ils réalisent que le bénéfice majeur, ça n'est pas les tests automatisés, c'est en fait le fait que ça favorise les conversations, ça fait en sorte que ça nous permet d'enregistrer les conversations de manière très très concrète, dans des exemples concrets, et que ça nous permet d'avoir un résultat qui est une documentation vivante. Pourquoi vivante? Parce qu'en fait, ces scénarios changent tout le temps, les tests changent tout le temps, en fonction de, à fur et à mesure qu'on apprend, quoi. Un autre exemple, 5 sur 11, on va accélérer un tout petit peu, ADRs, ou bien Architecture Decision Record. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un document texte qui a trois sections, Context, Decision, Consequences. Je vous ai mis un lien aussi en référence de vraiment beaucoup plus de contexte, mais l'idée, c'est que vous avez une décision technique qui va être enregistrée dans ce document. Nous, ce qu'on fait, et la majorité des gens que j'ai vu utiliser ça en fond, c'est que c'est un document Markdown qui est dans une pull request. Et ce qui est super bien, c'est que du coup, tout le monde challenge, tous les développeurs, on a tout un process de code review sur ces décisions techniques. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ben, en fait, ça force. Vous-même, qui devenez auteur de ces ADR, ça nous permet de vraiment se challenger en comment on écrit le contexte et les conséquences. Un petit peu cette théorie qui s'appelle la rubber duck theory. En fait, quand vous avez un problème, il suffit juste d'avoir un petit canard sur le côté de la table et de lui expliquer le problème. Et puis, en fait, un canard, c'est mieux que quelqu'un d'autre parce qu'au moins, vous ne perdez pas trop son temps, au moins au début. Mais du coup, il y a le canard. Et en fait, en lui disant, bah, vous avez compris qu'effectivement, ah ouais, c'est peut-être pas la bonne solution parce qu'il y a telle et telle conséquence ou tiens, j'ai trouvé une meilleure option. C'est upfront thinking d'essayer de vraiment expliciter pour quel contexte une décision et quelles sont les conséquences. Fantastique pour ça. Ça permet d'ouvrir vraiment plein de d'avenues. Et un point qui est vraiment intéressant, que je trouve super intéressant, on n'a pas le temps d'aller en détail là-dessus, mais qui est diverse thinking. L'idée, très simple, c'est que toutes les décisions qui se passent sur un tableau, dans une salle, ou bien qui se passent sur, en plus, maintenant c'est encore pire, sur par Hangout, etc., ce sont des discussions, la majorité du temps, qui n'ont pas donné la chance à des gens qui sont très introvertes ou bien à des gens qui réfléchissent de manière un tout petit peu plus lente, ce qu'on appelle le slow thinking, mais qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein, mais qui ont une autre façon de réfléchir, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à quelque chose. Des décisions techniques comme ça qui sont prêtes dans ce genre de meeting sont pas toutes pourries, mais sont beaucoup moins bien que si on donne l'opportunité à n'importe qui fonctionne un petit peu différemment sur la façon de réfléchir au truc technique, de pouvoir venir. Et ça, c'est génial d'avoir une PR, ça fait 2-3 jours, on a cette discussion concrète, chacun à son rythme sur cette décision technique. Et en vrai, ça, c'est une documentation fantastique. Là, c'est le truc qu'on fait pour quand on a un nouveau développeur qui arrive, c'est que voilà la liste des 10 ADR qui sont importants, là, on a une centaine, etc. 10 sur le système global, tu t'en prends... 2 par jour pour ta première semaine, et là, tu as une idée vraiment concrète de pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, quels sont les challenges qu'on a essayé de résoudre. Un exemple, c'est ça, hein. Ça peut être très, très, très court, là, c'est un exemple très court, il y en a des beaucoup, beaucoup plus longs. Ça va être très technique, quels sont le contexte, qu'est-ce qu'on va vraiment essayer de faire. Je suis très visuel, moi, le texte, ça marche que peu, ou bien s'il y a un petit peu de couleur et tout. Alors, les diagrammes, c'est fantastique, quoi. C'est on peut regarder ce diagramme-là. Ça va nous prendre 10 secondes pour piger ce qui se passe, alors que ça aurait potentiellement pris 5 minutes à expliquer. Le problème, c'est que les diagrammes, de manière générale, ils ne sont pas maintenables. Il faut aller retrouver dans Google Drive, ou dans je ne sais pas quoi, pour rechanger quand il y a quelque chose qui change. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez essayer de faire du code. En fait, vous pouvez écrire du code pour créer des diagrammes.
Là, c'est un exemple de Mermaid, qui est un truc fantastique, ou ben, c'est le diagramme que je vous ai montré avant, c'est à ça que ça ressemble. Et comme c'est du code, c'est beaucoup plus facile à maintenir. En fait, vous pouvez même imaginer qu'en fait, ce bout de texte, il est généré d'autres choses, en réalité. De, typiquement, quels sont les listeners, les machins, peu importe, enfin, tout un tas d'informations. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, pour des code reviews, ben, c'est génial, parce que ça nous permet de dire exactement de ce quand il y a ça, de ça à ça, et ben, en fait, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il faut qu'il se passe. Trop, trop cool. Hop, on a ça dans nos EDR, là, par exemple, et puis après, on va régénérer le diagramme de manière très visuelle dans une documentation quelque part, pour que les gens puissent consommer ça de manière un peu plus sympa que juste des lignes. Mais c'est très simple à maintenir. Et c'est ça l'idée de super transition sur comment est-ce qu'on ouvre un petit peu le spectre de qui a accès à nos documentations. Là, sur les exemples-là, je vais vraiment aller plus rapidement, mais l'idée, c'est que tout avoir dans GitHub, en vrai, c'est pas mal, mais il y a certains product managers qui n'ont pas accès, les équipes sales n'ont sûrement pas accès, les supports n'ont pas accès. Ben, vous pouvez, en fait, publier des documentations pour, je viens de le dire, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, il y a des outils. Moi, celui que je préfère, c'est MkDocs, qui, en fait, grosso modo, prend plein tout un tas de fichiers Markdown et puis va générer documentation web. C'est comme un truc de génération statique comme Hugo, par exemple. Le problème, c'est est-ce que vous avez besoin de maintenir tous ces fichiers Markdown maintenant? Chouette! Ouais, duplication. En fait, non. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment extract, transform, augment. Créer des plugins MkDocs qui vont en fait récupérer votre code, lire les fichiers BIAT ou les fichiers features, récupérer les résultats de tests BIAT, les chercher dans les annotations de code, etc. Faites des trucs comme ça, ça ne vous coûte pas beaucoup, et vous pouvez, avec des plugins MkDocs ou quoi que ce soit, créer beaucoup plus de documentation. Ça, c'est un exemple de la documentation qu'on a. Vous voyez tous ces fichiers features-là, tout ça, que ce soit vert, rouge, etc., ça vient juste du fait qu'on est capable d'extraire tous les fichiers features depuis plusieurs microservices et d'avoir une documentation qui est trop cool, qui est un mix de fichiers manuellement écrits, un markdown, et un mix de toutes les features très concrètes qu'on se récupère de tous les microservices. Vraiment, faites ça, c'est fantastique la quantité de temps que ça nous a permis de sauvegarder, de sommer. Un exemple encore mieux, en tout cas encore mieux, qui est aussi un petit peu plus, un petit peu moins peut-être facile à mettre en place, c'est les documentations, les diagrammes d'architecture. Bonne chance pour regarder ça de manière, up to date. Et ben en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, nous on va investir sur un truc qui est intéressant, qui a plusieurs aspects. Là, c'est notre outil, c'est notre documentation d'architecture. Et en fait, vous voyez exactement tout. Les composants, comment ils se parlent entre eux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi notre outil de monitoring de vraiment haute architecture. En fait, on voit vraiment tout sont les requêtes, on voit du vert, du orange, etc. Quelles sont les requêtes qui sont là? On a une histoire de layer aussi, où en fait, on peut voir, on a tout un tas de systèmes d'événements, d'événements qui vont entre services et tout. Avec différents layers, on peut savoir quels sont les événements qui sont consommés par chaque service. Et c'est très visuel. Et c'est beaucoup plus simple que de maintenir soi-même un diagramme ou d'aller chercher dans le code de chaque service qui consomme quel événement, quoi. Comment ça a été fait? En fait, nous, ce qu'on a juste écrit, c'est un fichier YAML avec un lien vers les ressources AWS ou les ressources Kubernetes, grosso modo les labels. Et on a fait un petit peu de code pour que ça... On a créé tout un framework SVG pour que ça affiche du coup en fait, toutes les ressources, etc. Mais c'est une application React qui affiche les différentes boîtes, qui va chercher dans CloudWatch l'API, dans Kubernetes, donne-moi toutes les informations, on va aussi chercher dans le code, donne-moi les code owners et tout, pour savoir qui gère ce service-là. Et c'est un exemple fantastique, quoi. Et c'est utilisé souvent, et c'est à jour, parce qu'on n'a qu'un fichier YAML. On a toujours besoin de le maintenir, mais on imagine qu'il y a moyen, très facilement après, de faire en sorte que ce fichier YAML ou au moins une partie soit automatiquement générée. 3 minutes, on est clairement, on a le temps. Linters, c'est une code intéressante. Grosso modo, la version courte, c'est qu'en fait, avoir un outil qui dit non ou qui se plaint quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une autre forme de documentation. Et c'est probablement l'une des meilleures. Pourquoi? C'est parce que ça donne la bonne information aux bonnes personnes au bon moment, même s'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une documentation. Ça, c'est chouette. Alors bon, les linters de code, je vais passer, je vais me donner des exemples un petit peu plus intéressants. On commence, nous, à Birdie, on commence à avoir des trucs où c'est des tables dans une base de données qui fait des centaines de millions de lignes. On ne peut pas faire n'importe quelle migration.
Parce que ça prend du temps et surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de requêtes par seconde. Et en fait, une migration juste qui est un petit peu bloquante, ben, ça pète tout. Et donc, du coup, ce qu'on on a l'option 1, hein, c'est de dire, bah, tiens, on va écrire ça quelque part dans une pull request checklist, ce genre de choses. Ne faites pas de migrations qui sont bloquées. Option 2, un peu plus cher, mais qu'on a pris, c'est de dire, bah, en fait, on se crée un petit linter qui va identifier, en réutilisant plein de trucs open source, mais identifier toutes les queries qui sont bloquantes et dire, non, objection, trop, trop cool, ça nous a sauvé plein de revues qui n'auraient pas vu ça et plein de downtime, au moins partiel, grâce à ce truc-là. Et maintenant, on n'a plus besoin de dire à tout le monde, faites pas ça, parce qu'en fait, c'est un outil qui le dit. Et c'est trop cool. Même exemple, un exemple similaire sur High Availability. On a besoin de faire en sorte que, bah, du coup, tout est High Available. On a plein de services, qu'il y a au moins plusieurs versions de réplica de ce truc-là qui fonctionnent, etc. Et bien, ce qu'on a fait, option 1, c'est de dire, ah, tous les tech leaders, vous devez faire en sorte que ce soit available. Et bien, l'option 2, c'est de dire, bah, on a un request initiation script, quelque chose qui va en fait chercher toute la metadata dans Kubernetes, dire, hey, il y a combien de réplicas de ce truc-là, et vérifier avec une liste d'exceptions qui sont OK s'il n'y a pas de plusieurs réplicas. Et s'il y a une breach, s'il y a un nouveau service qui n'est pas available ou quelque chose qui a changé, ça envoie une alerte. Voilà l'idée. Alors, il y en a plus, là, vraiment, c'est que vous pouvez aussi faire une dernière partie, vous pouvez en fait faire du DDD, du Documentation Driven Design, pour réduire la quantité de choses que vous buildez qui sont en fait pas bonnes. L'exemple concret, c'est Terraform. L'une des raisons, d'après les auteurs, pour lesquelles ça a marché, c'est qu'en fait, ils ont passé énormément de temps, des semaines, mais il me semble que c'était des mois d'ailleurs, à itérer, sans écrire de code, juste sur un Google Doc, et comment est-ce que l'expérience du développeur sera, et comment est-ce que les trucs fonctionnent. Et en faisant cette doc d'abord, vous pouvez partager ça au client et faire en sorte que vous identifiez les choses les plus chiantes le plus rapidement. Et il y a cette histoire de cost of change qui fait que si le plus rapidement vous identifiez des requirements ou des choses que vous avez, ou des problèmes auxquels vous n'y avez pas pensé, le plus rapidement vous l'identifiez, le moins ça coûte. Et je vous ai mis une référence aussi à ça. Maintenant, tout wrap up, vraiment quatre choses. Ne documentez pas ce que vous n'avez pas besoin. Ne vraiment identifier les sources of authoritative knowledge. Récupérer l'information de ces sources-là et augmenter les différentes sources of knowledge en les combinant. C'est l'exemple de Living Documentation et le truc web. Et la meilleure documentation, c'est la bonne information au bon moment dans la CI. Et la documentation peut aussi être un super outil de design. Merci beaucoup, c'était super rapide et vérifiez ce livre. Merci Samuel. La conférence bien intense et rapide, comme on a l'habitude. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de répondre aux questions en direct parce que la prochaine conférence va bientôt commencer. Par contre, je laisse le webinaire ouvert. Tu as quelques questions qui sont apparues à côté du chat. Je t'invite à aller les voir et soit tu réponds manuscritement ou oralement. C'est comme tu le souhaites. Je laisse le webinaire ouvert. Ça marche. Et juste question pour toi, du coup, si je réponds de manière manuscrite, n'est-ce pas, est-ce que les gens qui s'en vont et qui vont voir d'autres confs auront la réponse? Ils auront la réponse. On peut garder la trace du chat. Ah, non, ok, très bien. Ok, top. Merci beaucoup. Alors, ah, le modèle C4, très très bonne idée. Alors, merci à tous ceux qui ont mis des liens. Alors, question. Est-ce que l'inter sur l'immigration est open source? Eh, très bonne question, il me semble que oui.
Oh là là, j'ai commencé du mauvais côté. Alors, toujours pas de PC info standardisé, disait la documentation. Ben non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est compliqué quand même. Hein. Je ne sais pas quel est le. Ouais. Quel format est-ce que PSR peut standardiser en réalité? Est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'on peut standardiser des annotations de type package, de type domaine, je sais pas. C'est un peu compliqué parce que ouais, c'est souvent lié un petit peu à votre domaine métier, quoi. M'entends encore? Bah ouais, c'était ça l'idée, c'est parce que je réponds. Est-ce qu'on a open sourcé nos outils? Non, 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 malheureusement. Par contre, ce que je peux faire, c'est que si vous voulez vraiment, enfin, faut que j'écrive ça aussi. Si vous voulez vraiment, envoyez-moi un email. La raison pour laquelle on n'a pas open sourcé, c'est pour deux raisons. Il y a encore des trucs qui est vraiment un petit peu spécifique. Donc, par exemple, le truc de migration, je viens de regarder, mais c'est, on cherche les fichiers dans certains répertoires de notre application, etc. Donc vous, ça ne vous intéressera pas forcément ou ça ne marchera pas directement. Nous, on n'a pas du tout envie pour le moment d'investir dans supporter. Ce que je peux faire néanmoins, c'est vous donner le code et vous le tweaker à votre convenance. Et là, moi, ça me va avec grand plaisir. Alors C4, faut que j'écrive, il me semble. C4 est vraiment pas mal, effectivement. C4 est vraiment pas mal. C'est un peu prescriptif, quoi. C'est un peu prescriptif, mais j'aime beaucoup l'idée. Le seul truc, c'est que en fait, on a regardé le tooling. Le tooling n'était pas trop trop fou 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 autour de ça. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est avoir un truc qu'on puisse customiser de manière. À notre sauce, voilà, toute la documentation qu'on a générée, documentation web, tout le diagramme d'architecture, il n'y avait pas du tout de truc comme ça qui était autour de la galaxie du grosso modo de modèle C4. Et du coup, on n'est pas parti dans cette direction. C'était un petit peu trop statique pour nous. Pas assez vivant. Est-ce que c'est un très bon challenge? Est-ce qu'en fait, on n'aurait pas pu créer un truc autour de ça? Ça peut être une très bonne idée. Très bonne idée. Faut que je réponde ça. La documentation chez Birdie, on l'a générée avec MacDocs, MKDocs. MKDocs. Alors, ça fait peur au début parce que. Fait peur au début, pourquoi? Parce que le site est vraiment très moche. Mais en fait, si je cherche MKDocs matériel, il y a tout un tas. Voilà, ça, c'est beaucoup mieux, en fait. J'espère que tu es toujours là, Amine, parce que je t'envoie juste des liens, ça peut faire très très rude si jamais tu m'écoutes pas. Mais le deuxième lien, c'est vraiment un template beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa avec la recherche, le recherche, le machin, tout un tas de UI qui te permettent d'avoir une expérience visuelle beaucoup plus intéressante. Et c'est super facile à mettre en place, en fait. Et du coup, on peut avoir les slides et c'est tout. C'est tout. Et je vais mettre les slides sur Joindin. Cool. Merci à vous, 34 personnes qui m'écoutent toujours. Vous faites tout ça de super après-midi. Et puis à bientôt. Amusez-vous bien. Merci.